Bonjour à tous, ça y est, je me lance, je vous fais une première vidéo. Donc j'ai essayé d'en faire une l'autre jour en fait, mais j'ai pas trop réussi parce que j'avais utilisé une GoPro et ça rendait rien. Donc là j'ai pris mon iPhone et j'ai décidé de faire avec. Donc je voulais déjà vous montrer un petit peu où je suis. Donc je suis au pré, dans les pâquerettes, avec B, mon petit chou qui est en train de... Pas de dormir en fait. Un petit bonhomme. Oh, il est tranquille là. Donc je voulais vous faire juste une petite vidéo sur le fait d'être de profiter en fait de l'instant avec son cheval et en quoi ça améliore en fait la relation au quotidien. Donc j'avais déjà écrit des articles là-dessus en disant que pour travailler son cheval, il n'était pas nécessaire forcément de faire des exercices, d'être toujours dans l'action. Que juste passer du temps avec eux en fait ça permet de créer la relation, de la maintenir. Donc on imagine que quand on a créé une relation, on peut la garder à vie et en fait non. Si on veut garder une relation avec son cheval, c'est important de passer du temps avec eux. Donc là, le fait d'être en congé de maternité, pour moi, c'est vraiment super parce que je peux retisser le lien avec mes chevaux, repasser du temps avec eux. Donc évidemment, j'ai pas tout à recommencer. Mais quand même, je suis bien heureuse de pouvoir passer du temps avec eux, juste être ensemble dans les pâquerettes, à profiter du soleil, à profiter d'être tranquille au repos. Je sens le soleil là sur mon visage, une légère brise. Je ne sais pas si vous entendez la mer derrière. On la voit pas, mais on peut l'entendre. Donc voilà, une première petite vidéo juste pour vous parler de l'importance de passer du temps avec son cheval sans rien faire de précis, sans rien lui demander, juste être là avec lui, vraiment présent. Donc qu'est-ce que c'est être vraiment présent? C'est vraiment faire attention à ce qu'il y a autour de soi, faire attention au cheval et éviter de partir dans ses pensées, et dans le passé, et dans le futur. À bientôt!